petits châteaux, les grands espaces, les canards. C'est con un canard, mais ça fait cossu, hein Julien, ça fait cossu. Mais moi, pour ma crise de la quarantaine, j'ai plutôt choisi ça, les gars. La Scrambler 800 Icon version Dark, parce qu'on sort du confinement, donc on a pris la version, la nouveauté, puis la version un petit peu moins chère. Mais je pense qu'elle fait quand même le job. Je vous emmène. Oui, car après une longue pause imposée, la quiétude de la campagne, c'est bon. Mais pour ne pas tout gâcher, il faut le faire avec goût. Revenir aux valeurs essentielles de la moto. La renaissance à l'italienne plutôt que les jardins à la française. C'est la nouvelle Ducati Scrambler 800, version Icon Dark. Une entrée de gamme au look pictural, même si quelques détails, genre entre-tout-viseur et clignotant à ampoule, nous rappellent que le maître Ducati possède des modèles mieux équipés dans sa gamme. Il n'y a en effet pas grand chose, hein, t'as raison Julien, qui différencie cette nouvelle Icon Dark des autres versions Scrambler. En revanche, hein, la différence de prix, elle est conséquente, on le verra à la fin. Moi, je suis déjà super content de retrouver cette position de conduite. Ce que je constate juste, c'est que, bon, j'ai toujours les jambes un petit peu repliées, je trouve. Ça, c'est un petit côté roadster. Mais ce que j'adore, moi, c'est ce grand guidon bien large. J'aime bien les guidons bien larges. Et puis, ramener vers moi, ce qui fait que je me tiens... Bah, je me tiens bien droit sur cette meule, j'ai pas le buste basculé vers l'avant, donc déjà ça sent la bécane à la cool. Ce qui est sympathique aussi, c'est les petits réglages des leviers, que ce soit l'embrayage à commande hydraulique ou alors le levier de frein. Bah, par contre, elle n'est pas hyper confortable, on a une fourche qui est à bas de 41 mm hein, inversée qui n'a pas changé. À l'arrière, on a un amortisseur qui aurait été revu dans ses réglages pour apporter un petit peu plus de souplesse. Moi, je trouve que c'est toujours souplesse, curseur, fermeté quand même. Bon, c'est peut-être pénible hein, pour ceux qui vont vouloir voyager à peu près 4000 km avec cette machine. Mais pour les autres, ce qui est cool, justement, c'est que ça apporte de la rigueur quand on commence à jouer un petit peu avec cette meule. Bon, allez, joueuse. La Scrambler 800, parce qu'elle a un moulin à air qui est chouette comme tout, c'est clair. Ce bloc desmodromique aux culasses noires et aux ailettes en alu brossé, c'est toujours le Twin en L de 803 cm3 refroidi par air. Un cœur qui équipait déjà les petits monsters avant qu'ils ne passent au liquide. Puissance raisonnable, 73 chevaux, pic de coupe de 67 Nm avant les 6000 tours. Ce moteur s'installe dans un cadre treillé en acier qui contient les 189 kg de la machine. Il est un petit peu rugueux, c'est vrai, mais moi j'aime bien parce qu'il se réveille assez tôt, vers les 2000 tours minute. Il a une montée qui est vraiment sympathique. Bon, niveau acoustique, je suis pas complètement fan de ce qui émane hein, de la sortie d'échappement à lui. Mais il est vigoureux, il est pas mal en reprise. On peut largement dépasser la vitesse autorisée dans cette version full, bien évidemment, mais sachez qu'il existe en version A2, j'aurais apprécié un petit peu plus de frein moteur, mais sinon pour le reste, vraiment, il n'y a pas à s'en plaindre. Et puis il n'a pas un appétit de dingue, on oscille sur une consommation raisonnable aux alentours des 6 litres, c'est normal. Bon, autre nouveauté apparue en 2019 hein, sur la famille Scrambler, c'est le freinage l'ABS actif sur l'angle. Alors, et cette Icon Dark, elle a beau être l'entrée de gamme, elle le possède également, donc c'est un plus pour la sécurité. Mais niveau freinage, même si c'est vrai qu'il y a du gros mordant, là comme vous le voyez à l'instant là sur ce freinage en entrée de courbe, moi je trouve que la fourche, elle plongeote encore un petit peu trop à mon goût. Et puis, je suis pas fan du feeling de ce sol étrier radial, certes, mais bon, il n'y a qu'un disque sur la Scrambler 800. Et puis derrière, je ressens pas grand chose au niveau de la pédale. En plus, j'ai quand même l'impression qu'avec ces MT60, l'ABS est un petit peu sensible parfois. Pour le reste, ça reste vraiment le jouet Ducati. En fait, elle a une tronche de rétro. Elle est montée comme une rétro avec sa route 18 à l'avant, mais elle a un empattement qui est assez court, elle est vraiment dynamique, elle n'est pas hyper vive, mais je la trouve, moi, assez agile. Elle est assez bien posée sur l'angle. Ah, vraiment, et puis le moteur qui répond très bien sur les bas régimes, notamment sur les rapports inférieurs.
Eh ben ça, ça donne du pep, ça donne le moral, ça donne la choups. Elle est essentielle, elle est peut-être un peu basique, mais elle le fait, elle est vraiment fun, elle file la banane. Avec cette 803 cm3 sous les 9000 euros, je trouve qu'on est plus dans le juste prix. Quel prix déjà, Julien ? 8550 euros Mehdi, soit 700 euros de moins que les Icon jaune et orange. 5 ans après l'arrivée de la première Scrambler nouvelle génération et après de nombreuses variantes qui jouent sur le néo-rétro sous toutes ses formes, cette Icon Dark se démarque en étant certainement la meilleure offre du genre, en attendant une éventuelle refonte totale du modèle, peut-être avec l'Euro 5. Bon, on dit parfois qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors, je sais pas trop quoi penser de ce proverbe. Moi, j'ai Julien, en fin de compte, qui vous propose ces images, qui se prend souvent pour un pilote sur son scooter. Coucou, Julien. Et alors, le pire du pire, faut que je vous montre Alain. J'aime bien les guidons bien larges. Le pire, c'est Alain. Bon, il est beau quand même. Il est beau là, Alain. Il est beau. Bonjour Alain. Voilà, c'était la fine équipe du 11. J'aime bien les guidons bien larges. Voilà. Voilà, et on travaille avec ça. Exceptionnel. Ha 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 ha!